дает то, что нужно стране, более того, дает с запасом. На удивление, никто не ожидал, что они сумеют клады, знаю номера партии, знаю, знаю номера ящиков, четко понимаю, где что находится. Не могу решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства, связи. Все кивают куда-то наверх, показывая пальцем вверх и говоря о том, что вы же знаете Евгений Викторович. И поэтому вам надо пойти извиниться и повиниться. Тогда ваши бойцы, 140 миллионов россиян, пожалуйста, скажите, перед кем я должен извиниться, чтобы мои парни погибали в два раза реже, чем это происходит сегодня. Дите мне, к кому я должен обидеться. coin du bon sens Да, но... – Les relations compliquées, oui. hein euh, on se souvient que prigogine effectivement, c'était sa guerre privée, il voulait offrir euh, sur un plateau euh, Bakhmout à, à la Russie, en, en du coup se hissant à un niveau euh, supérieur dans la, dans la hiérarchie euh, russe, il n'y arrive pas, et non seulement il n'y arrive pas, mais il s'est brouillé en fait avec la hiérarchie russe, et du coup le, le président euh, Poutine a changé la structure de commandement, avec Gerasimov directement commandant les opérations, et euh, sous les ordres du, du ministre de la Défense, qui sont la ligne sûre des féaux de Poutine. Et donc, lui s'est retrouvé bah, ne plus avoir les appuis nécessaires, parce qu'il était rentré trop en compétition avec l'armée russe et que ça le président ne pouvait pas l'admettre, parce que euh, l'armée russe, euh, si jamais elle est en compétition avec, avec des mercenaires, ça va imposer un problème interne à la Russie. Et donc on voit bien que là, il est lâché, il a des problèmes, bon, enfin c'est lui-même qui a créé ces problèmes-là, d'une certaine façon. Oui, Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il se plaint de cette situation. Oui. En accusant accuse. Poutine directement, oui, parce que il dit, on me dit, mais tu as des appuis là-haut, là-haut, c'est chez Poutine, enfin au Kremlin, etc. Ben oui, euh, euh, répond-il, répond-il, mais ces appuis ne m'appuient pas. Et on voit un homme qui a été un, un homme très puissant de, de, de ce régime, eh bien mettre en accusation. Poutine et dire ça ne va pas. Et alors là, moi je me permettrai de dire une chose c'est que c'est un signe que ce régime, celui de M. Poutine, est beaucoup moins stable et beaucoup moins fort qu'on ne le croit très généralement dans les grandes démocraties occidentales, y compris aux États-Unis, y compris à Varsovie, Paris. Paris notamment, Paris notamment. Quand le président de la République française euh, dit que malheureusement, évidemment malheureusement dans son esprit, que malheureusement Poutine est là, etc. Bah, écoutez, peut-être que oui, mais peut-être que non. Quand on voit ça, moi je me dis peut-être que non. Oui, c'est un Prigogine aux abois qu'on a... C'est extrêmement ouais. intéressant, parce qu'en fait, il se passe aujourd'hui... En fait, on voit les résultats des changements qui ont été opérés à, à la tête des, des forces armées russes il y, a, euh, il y a un mois. Exactement. Visiblement, il y a un conflit important entre Prigogine et Vladimir Poutine. Euh, alors, c'est les compétitions militaires, effectivement, il y a, y a une l'armée euh, et les mercenaires de Wagner qui, qui se tirent la bourre. Mais, par ailleurs, Prigogine a pris euh, son étoile politique... Euh, il a fait briller son étoile politique euh, depuis deux mois et on sait tous que Vladimir Poutine ne supporte pas quand les étoiles politiques oui. brillent trop et ce qui est très alors c'est alors y a, y a, moi je vois vraiment un conflit et c'est très intéressant mais c'est aussi euh, très inquiétant parce qu'on euh, est dans une situation où en fait il y a plein de groupes euh, de groupes armés c'est-à-dire qu'il y a l'armée euh, régulière, il y a le, les, les hommes de Kadyrov, le leader euh, islamiste tchétchène, il y a euh, les hommes de, de, de Prigogine, euh, dont une grande partie de, une grande partie de prisonniers et de, et de criminels. Il y a aussi les forces, en fait, euh, le, euh, régionales. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, Vladimir Poutine, pour calmer un petit peu les gouverneurs de région, leur a dit OK, vous avez le droit d'organiser. Et puis parce qu'il voulait pas, il fallait qu'ils organisent euh, la, la mobilisation. Euh, il leur a permis d'organiser un petit peu leur défense. Alors, on, on, on a plein de groupes armés euh, différents et on voit que ces groupes armés commencent à entrer en compétition. Mais pas une on assiste de... à l'éclatement... De... Suis... Voilà. Je vais est... forcer l'éclatement on en on reprise repris en main au début main. de l'éclatement de ce régime. Voilà. Cette déclaration de Prigogine est absolument effarante. J'en avais lu des, des extrêmes et trois phrases. Mais l'entendre sur la longueur, mettre en question directement et publiquement le chef de l'état mais attendez ça veut dire qu'il pense pouvoir le faire à mon avis il prend le risque de tomber d'un 18e étage assez assez prochainement mais au-delà de cela oui enfin bon mais au-delà l'un ou l'autre mais au-delà de cela ça veut dire que ce régime ne se tient plus. – Alors, et ça n'est pas… Euh, je ne me fais pas l'avocat du diable, hein, bien sûr, mais Hélène Blanc, ce n'est pas une façon de dire « Attention, le Kremlin reprend en main », c'est-à-dire prigogine que l'on voyait très régulièrement faire le show. On l'a parfois comparé euh, à Zelensky, d'une certaine façon, en chef de guerre, en, en tenue, en treillis, etc., sur le terrain, alors que Vladimir Poutine n'est jamais allé euh, en, en Ukraine de, depuis, euh, depuis un an. Ce n'est pas une façon de dire… Ok, à partir de maintenant, tu obéis. Il a d'ailleurs employé le terme euh, obéir. Oui, mais justement, je crois qu'il en a trop fait. Il s'est mis en scène, il a été très euh, démonstratif, il était le meilleur, l'armée russe n'était bonne à rien, c'était lui avec ses hommes qui allait euh, révolutionner tout ça, qui allait tout conquérir, etc. Il en a fait beaucoup. Alors mettre l'armée en cause, ça ne plaît à personne et surtout pas à Poutine. Parce que je vais vous dire, le 24, je ne sais pas ce qui va se passer le 24 février. Je ne suis pas dans, le, dans les secrets du Kremlin. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le 23 février, qui est la fête de l'armée. Et des combattants qui meurent pour leur pays, là, il va faire un, un, grand, un grand, meeting. Enfin, il ça, va est marquer sûr. le coup. Oui. Ça, j'en suis déjà en suadé. plein Et c'est ouais. nous, les occidentaux, qui sommes là à commémorer ce tragique anniversaire du 24 février. Mais lui, à mon avis, il va rien faire le 24. Il va plutôt s'occuper du 23, parce que ça, ça lui tient à cœur et qu'en fait, ça tient au cœur des Russes aussi. Oui. Alors, pour autant, et on l'a déjà dit tout à l'heure, l'opinion publique russe reste massivement du côté de Vladimir Poutine et du régime du, du Kremlin. En tout cas, si on en croit les rares sondages, hein, c'est le centre Levada, 75% des Russes soutiennent l'offensive en, en Ukraine. Vous allez voir qu'évidemment, selon les catégories d'âge, c'est assez, assez différent. 38% des 18-24 ans n'approuvent pas cette guerre. C'est quand même moins de la majorité. 9% des plus de 55 ans ne l'approuvent pas, ce qui signifie que 91% bien sûr l'approuvent. Et puis quand vous regardez l'évolution sur, sur un an, elle est assez stable dans le, dans le fond, puisque le niveau d'approbation est très important. Lève Gutkoff, qui est, qui est sociologue, qui est, qui est d'ailleurs un anti-Poutine convaincu, euh, commente ces, Voilà. Il commente ces sondages, il dit « Je pensais que la réaction à la guerre serait... » beaucoup plus négative que ça. La détérioration matérielle du peuple russe était censée créer une réaction de rejet de la guerre et du pouvoir. Or, conclut-il, c'est exactement le contraire qui se produit. Vous tous, vous trois qui connaissez par cœur cette société russe, on a envie de dire pourquoi. Mais écoutez, d'abord, ils sont quand même désinformés depuis au moins quatre générations, parce qu'on leur a caché leur histoire, on leur a caché les crimes réels du KGB, on leur a caché beaucoup de choses. Même la Seconde Guerre mondiale, pour eux, commence en 1941, et le pacte Ribbentrop-Molotov euh, aux abonnés absents. Vous voyez ce que je veux dire oui. Donc, ces pauvres gens, que je plains, parce que, vraiment, je les plains, parce qu'ils sont. Moi, je pense qu'ils savent plus où ils en sont du tout. Alors, les familles qui ont des, des enfants ou des maris qui sont mobilisés, bon, là, elles sont aux premières loges et elles ont des opinions sur la guerre. Maintenant, je ne suis pas du tout persuadée que dans ces sondages, les gens répondent ce qu'ils pensent vraiment. Et voilà. Parce que le problème de l'URSS, on connaissait les statistiques, etc., qui n'étaient jamais réelles. Eh bien, là, c'est pareil. Je pense qu'ils savent pertinemment... Ce qu'il faut répondre pour ne pas avoir de problème avec le pouvoir. Vous partagez, Bernard Guetta ah, Je suis mille fois d'accord avec Hélène Blanc. Je ne crois pas du tout à ces sondages. On n'en pas du tout. Que je pense qu'ils soient trafiqués. Non, 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 ils non, sont absolument... Ils sont faits dans Bien les normes, sûr, je, je, connais ouais, et je connais l'Institut Levada, je connais ouais. bien les gens qui sérieux. y travaillent. Ce ne sont pas du tout des gens malhonnêtes. Ce, ce, ce sont... Les réponses qu'ils reçoivent, mais ces réponses ne sont absolument pas sincères, tout simplement parce que les gens ont peur. Mais écoutez, moi je serai citoyen en hein, russe. On vient, on sonne à la porte. Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis l'institut Levada. Est-ce que vous aimez Monsieur Poutine L'aimer Mais pas du tout. Je l'adore, je l'adore absolument. Est-ce que vous êtes pour la guerre Mais non, je ne suis pas pour cette guerre parce que elle est mal menée. Il faut envoyer plus d'hommes. Il faut envoyer. Excès. Mais bien sûr que oui. Et puis. Encore un point, de toute manière, il est très très difficile à quelque citoyen que ce soit de condamner son pays quand il est en guerre. Souvenons-nous de ce qu'était l'attitude de la majorité des Français pendant la guerre d'Algérie. Or, pendant la guerre d'Algérie, il y avait, contrairement à la guerre d'Ukraine en Russie aujourd'hui, une presse qui dénonçait l'institutionnalisation de la torture, qui dénonçait la manière dont cette guerre était menée. Bah, malgré tout, bah, les gens... Euh, bah, euh, on, on ne peut pas croire que notre armée fasse ça ça, ça s'est passé en france pendant la guerre d'algérie alors attendons que la situation bouge un tout petit peu euh, politiquement militairement etc et on pourrait voir un grand retournement de l'opinion russe oui d'autant que les la rétorsion est omniprésente dans les discours de, de Poutine. Vous le mentionniez tout à l'heure, mais il, à un moment, il a pointé les traîtres en disant :« On va, on oui, va oui. vous trouver. » Bah moi, je, oui, je dirais trois choses. Hein. Oui, c'est pas parce qu'on a un institut indépendant qu'on a des réponses libres. Ensuite, euh, ceux qui n'étaient pas d'accord ont fui le pays. Bien sûr. Et troisième chose, dans la Russie de Vladimir Poutine, comme dans l'URSS communiste, euh, l'idéologie prime souvent sur l'économie, sauf pour les oligarques hein, qui arrivent à habiller d'idéologie leur enrichissement euh, personnel. Et, 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 et c'est comme ça qu'on explique aussi que les sanctions euh, marchent finalement euh, beaucoup moins bien que, que prévu, parce qu'il n'y a pas d'effet. Euh, L'appauvrissement économique ne provoque pas, comme elle provoquerait dans nos pays, un, en fait, un retournement euh, euh, idéologique euh, de cette population qui est euh, qui, a, qui subit un bourrage de crâne depuis euh, 70 ans. Euh, voilà. Donc, et c'est pour ça. Et, et, et en fait, on s'est trompé parce qu'on, on, 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 nous, Occidentaux, on regarde souvent la, la Russie avec des lunettes occidentales. C'est-à-dire qu'on voit comment nous, on réagirait.